expansion de conscience, c'est un état de conscience non ordinaire. C'est un état de conscience modifié. En anglais, on appelle ça « altered state of consciousness ». Enfin, si on traduit littéralement, ça veut dire « état altéré de conscience ». Et je trouve que c'est, en anglais, c'est absurde. Enfin, c'est en français « altered state », altéré, c'est un état autre de conscience. Donc, c'est un état qui nous permet de quitter le monde ordinaire, ce que Grof appelle le monde holotropique, pour entrer dans un monde holotropique, c'est-à-dire un monde élargi, hein, où on est en relation avec différentes parties de nous-mêmes. Hein, quand on est dans l'état d'expansion de conscience, on va avoir accès à des souvenirs qui ont été refoulés, à des expériences périnatales, hein, des expériences de naissance, ou bien intra-utérines, et puis, si on y croit, des expériences de vie passée. Donc, c'est ça un état d'expansion de conscience, c'est un état qui va nous permettre de nous découvrir, hein, sur différents niveaux, ou de nous identifier à des archétypes.